Bonjour, tout bonsoir. La bande connue surtout Bolanda Rabisso. Na ba live na biso touché la Rabino. Je crois que vous êtes si nombreux de nous suivre. Alors, comme je vous ai déjà expliqué le matin, ce n'est pas de notre faute. Ceux qui ont la vidéo dans son entièreté, Bolanda le sous na Congo, États-Unis, pour l'instant. Pas pour dire bon, mais pour l'instant. Vous allez commencer à nous suivre sur Bissonios Congo RDC sur Obetiango na YouTube au moment na Bisso comment on ngi to bando repartager ba live côté kuna. Alors track info tozo sala donc je crois que je vous signale déjà donc sur le moment na mobimba na yango faut que na Bissonios Congo RDC ou ko trouver entièreté na yango donc c'est pas de notre gré. J'ai mis déjà une petite vidéo là-bas de 10 minutes. On a expliqué Bino qu'est-ce qui s'est passé. YouTube a des normes, donc maintenant c'est impossible de mettre de vidéos d'autres personnes sur la chaîne pour l'instant. Hein, moi, comprendre des bisous parce que Nalakisi Bino déjà comment est-ce que Batouana va travailler avec le peuple congolais. Alors je crois que Ndeko Olivier a zobé nganga de chouchou une minute. Na yo kaye mwandambo alva to loba mambotengi to loba mamuke awa. Voilà. Allo? Yeah, oui. YouTube a sika comme la onene. Ezala ngo ya kala na zongi sika biso nyoso kongwe de ces ans na tindelo lien. Ah, tu la rien. OK. Ouais. Voilà donc YouTube wana to ya nazo ba biso nyoso ezala ya sika te. Eza YouTube a kala. Si on continue, on a même 72 000 abonnés, bande de Nangawa. Donc, ils ont même 72 000 abonnés. Donc, tout ça qui est stop, tant que tu as un problème, Pekuna. Alors maintenant, tu as un ici en haut. Si on a 72 000 abonnés, donc tu as un ici en haut, peuple congolais. Et vous pouvez nous suivre là-bas pour nous informer na ba nouvelle toujours partager na bino. Alors ce que je voulais dire ici avec vous bonjour la nangai track info oyo ezali basé sur le propos ou une décision de Joseph Kabila que nous venons de lire sur objectif tiré info C2 qui est à Paris le 10 août. Et Bimaki le 10 août 2021, une décision de Joseph Kabila supprend et reprend en sous-œuvre. Alors Kabila qui reprend sous-œuvre, qu'est-ce que Kabila veut encore revenir dans la politique congolaise, faire la politique, on ne sait pas. Mais de toutes les façons, c'était évident, on le disait, que Kabila est parti sans parti. Donc Kabila n'est pas parti comme on croyait, comme le combat s'est fait, où on a fait le combat, on a mené le combat ici, et que la Kabylie disparaisse vraiment dans la politique congolaise. C'est ça le combat de la diaspora congolaise. Mais en réalité, Félix Tshisekedi dit, voilà le pourquoi nous ne cessons de le dire, qu'il a réellement vraiment dessus l'espoir des Congolais, parce que les gens pensaient que Nengo Tolongoli Mamba Kabila Boye et Longwe et que pour Liban. Mais Félix a trahi, il est parti négocier avec Kabila et aujourd'hui nous subissons les conséquences au Etosa possible. Maintenant, si Kabila va revenir, comme Naoutchou Koloba, on le savait. Mais laissez-moi un peu lire dans ces journaux ce qu'on nous dit sur le prétendu retour de Joseph Kabila à la magistrature suprême. Est-ce que vrai ou faux? Mais essayons un peu de lire pour comprendre ce qu'on nous dit ici. On nous dit, PPRD, une décision de Joseph Kabila supprend et reprend en sous-œuvre. Dans la vie comme en politique, je n'exclus rien. Voilà, Maloba Joseph Kabila a répété M. Kabila à plusieurs reprises avant de quitter le pouvoir en décembre 2018. Laissant planer l'hypothèse d'un possible retour en 2023, à la fin du prochain quinquennat, l'ancien chef de l'État ne pensait sans doute pas si bien dire. Moins de 3 ans plus tard, la population presque toute entière réclame le retour du raïs Joseph Kabila. Invité de l'émission Top 15 sur
iWeb RDC, Ferdinand Kambere a été clair sur la visée politique du Front commun pour le Congo en sigle FCC. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD a déclaré que des stratégies sont élaborées pour plus de victoires aux prochaines élections de 2023. En tête, l'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, Joseph Kabila. D'abord, il a fallu attaquer le bilan défendu par le régime Tshisekedi autant que par l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, s'est attelé à rappeler la détérioration des finances publiques, le ralentissant la relance de la croissance économique. Il dénonce les dérives dictatoriales de Félix Tshisekedi et un bilan statiquement moins bon que sous Joseph Kabila, qui s'est révélé étant un vrai démocrate. On n'est pas encore là, mais au moins le PPRD, le FCC, comme tous les partis du monde, le leader, c'est Joseph Kabila. Nous sommes là pour continuer à préparer son retour qui est d'ailleurs proclamé par la population. Quand je l'ai dit à Goma, les gens pensaient que ça venait de moi. Maintenant, beaucoup de gens réclament son retour à Kinshasa et dans toutes les provinces. Et ce ne serait que la loi de la démocratie s'il revenait, s'est-il laissé aller à ses confidences sur l'avenir de Kabila. Notable de la province du Nord Kivu et ministre honoraire de l'emploi, du travail et de la providence sociale dans le gouvernement Mozito, Ferdinand Kambere estime que rien n'a évolué dans tous les domaines depuis la mise à mort de l'accord de la coalition FCC-CACH et la naissance de l'Union sacrée qui bat de l'aile. Il faut redérouler le film pour comprendre. Je n'ai jamais cru à l'Union sacrée en tant que coalition. Une coalition est justifiée par un accord de coalition. Or, l'Union sacrée n'a jamais eu d'accord. Si vous attendez aujourd'hui qu'elle ait tenté de se fissurer, c'était donc congénital qu'elle disparaisse. Ce n'est que normal parce que le contraire allait simplement nous étonner. A-t-il su une voie grave? Et détailler son argument, on voit bien comment Félix Tshisekedi est en train de fonctionner et installer une machine dictatoriale depuis qu'on l'a laissé seul diriger sans partage avec son union sacrée. Combat à surmonter pour la reconquête du pouvoir. L'ancien président prend son temps, mais pense n'avoir pas fait son temps. À demi-mot, le PPRD prépare sans répit sa reconquête du pouvoir. Ça passe par un combat contre le régime Fatshi qui semble manquer à l'essentiel. L'opposition aura forgé l'identité de Joseph Kabila, pas donc besoin de se faire piétiner dessus comme une fourmi. Certes, ce n'est pas facile parce que c'est quand même après 18 ans au pouvoir, mais lorsqu'on prend notre leader Joseph Kabila, parce que beaucoup de gens parfois ne savent peut-être pas qu'il est né dans l'opposition, dans le maquis à Ewabora au sud de Kivu. Nous disons avec cette opposition, surtout pour la démocratie instaurée par lui-même, nous allons surmonter tout ce qu'il y a comme défi dans le combat à mener pour reconquérir le pouvoir, assure-t-il. Joseph Kabila pourrait ainsi devenir l'un des opposants crédibles face à Tshisekedi en 2023 si le bilan tel que perçu par la population en restait là. On a battu Kabila, balobi que le monsieur va revenir en 2023 parce qu'il pense que le bilan de Félix Tshisekedi est tellement médiocre. Alors, pourquoi pas que Kabila rentre dans le pouvoir en 2023. Mais nous, on disait déjà, parce qu'on le voyait venir, Banda Kalatwande Kolobayango, que Kabila va faire son retour. Kabila va revenir. Pourquoi le bilan de Félix Tshisekedi est zéro? D'ailleurs, pour aller plus loin,
si on dit que le bilan de Félix Tshisekedi est zéro, moi j'irai plus loin pour dire que non. Kabila plaçait Félix Tshisekedi à la tête du pays pour bien savoir que non, Félix Tshisekedi va lui faciliter la tâche de retour. Par exemple, regardez un peu ça. 100 jours détournement. Oh, Kamerazan en prison, il est le seul là-bas, 14 ans. Tijelou, oh, Félix Tshisekedi, à Lansaki, calamité, détournement, plus de 13 millions de dollars. Gratuité, détournement, vous le savez. Covid-19, détournement, état de siège, oh, Salama, détournement sur détournement. Alors, prions pour la nation, le mal est profond. Donc, c'est-à-dire, les gens qui accusaient Kabila comprennent aujourd'hui que le mal, ce n'est pas simplement Kabila. Le mal est là aujourd'hui. Le mal est là, pourquoi? Parce que tout le monde constate aujourd'hui que c'est Félix Tshisekedi qui est le profond malheur du peuple congolais et que le monsieur ne fait rien, peut-être ne fera aussi rien, pour l'avenir du pays. Alors à quoi sert bon de forcer, de foncer avec lui? Et nous, on disait avant que c'est Félix qui fera le bien de Joseph Kabila. Parce que tant que Kabila Olobake, bon, ce n'est pas de ma faute, hein. Ce n'est pas de ma faute, Félix a échoué. Et ils ont fait cela exprès, pour tant que le loto comme la pointe haute comme Inango, et comme ça, tout le monde a Olobake, non, et ça, l'ango faute n'a été, et ça, là, qui faute, il y a bino ba opposant, beaucoup qui ont réussi dans le mandat à Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas aussi sa faute, la faute revient à Félix Tshisekedi parce que bah, il y a pouvoir, nous sur toi travailler, qu'est-ce qu'il a fourni dans le pays? Rien du tout. Pourquoi pas Kabila à ça la retourner? Pourquoi pas Kabila Zonga? Donc tout a été déjà bien arrangé, tout a été bien planifié, que Kabila rentre au pouvoir, que Kabila agit au pouvoir. Regardez l'insécurité dans le pays. Regardez par vous-même, jugez le bilan de Félix Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, Ezaka, il nous a fait passer le temps inutilement. Et Batanio, surtout Alexis Bissot, c'était justement pour tromper la vigilance des Congolais. C'était justement pour éradiquer, par exemple, ici, je lis même que le ministre de la Défense, le gouverneur de l'Ituri Nord Kivu, Bazobi Baza, satisfait. Na évolution, il y a état de siège. Mais vous allez satisfait parce que ça binon de bolobi ou bien c'est le constat que les Congolais ont fait pour Nakoloba que non, le bilan est positif. Vous voyez donc bilan wana y a tu le mot mes frères. Ata yo moko zana yo mupaya, soko tali hein, nenge Félix Tshisekedi dans ça là. Donc tu n'as même pas à dire 4 mots ou 5 mots. Si tu regardes comment Félix Tshisekedi agit, tu diras simplement que son bilan est totalement négatif. Le bilan de Félix Tshisekedi est vraiment négatif. Ça ne sert à rien de compter sur ça. Ça ne sert à rien de dire que non, Mouto a sali Makamalamu et que tout appuyé à l'éca 2023. Non, non, le bilan est catastrophique. Et facilité Kabila tâche. Félix a facilité Kabila tâche. Il facilite le retour de Kabila en 2023. Et c'est ce que nous allons vivre très bientôt, et que Kabila fasse son retour dans le pays en 2023. Il le fera. Mawatro bandeko na ngai, makambo tolobaki yango kala. Mais le problème encore, c'est les opposants congolais. Tolobaki na bango ke batia pression makasi pa Félix Tshisekedi. Malheureusement, à la fin de compte, Katumbi est parti encore joindre Félix et Jean-Pierre Bemba. Au lieu que batika la solide, au lieu que batika la bomoko. Au lieu que basa la bitumba nenge bandai basu ba kosa la bitumba. À la fin des comptes, Katumbi et Bemba sont partis rejoindre Félix Tshisekedi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le lokune comme un tiraillement, kofinga banine tout ça. Or que ceux qui basa la kikara na la muka na bangonde nenge ba batika la kikatre wana solide comme ça, je pense que ils voulaient maintenant commencer à planifier des actions de grande envergure. Parce qu'il faut empêcher le retour de Kabila. Maintenant, empêcher le retour de Kabila avec la division de l'opposition que nous avons aujourd'hui, il faut se poser les questions, comment on va réussir à barrer la route de retour de Kabila au pouvoir? On sait le bilan de Kabila est négatif. On sait comment Kabila a ça va tuer les Babylon qui belé bouyebi. Toyebi, surtout Toyebi que Kabila est catastrophique.
Mais la grande question qu'on se pose, comment on va barrer la route à Kabila avec cette classe politique audite de l'opposition totalement divisée? Fayulu agit seul, Katumbi et Bemba, des fois, bah, ensemble, mais Sokotali dans nous, aujourd'hui, Katumbi travaille, c'est comme s'il travaille seul aussi. Et pourtant, nous t'encourageons que Katumbi a ça le retour. Toi, a encouragé Félix Tshisekedi, c'était Bemba. Les Francis Kalombo, les autres là, Babito Kota Union Sacrée, parce que je doute qu'Olivier Kamita t'a encore appuyé Bakutana Félix. Mais je vois plus ces Francis Kalombo Moutassala qui approche Wana Mingi Mingi que Bakatumbi Bakutana Félix. Siko Wapi Bida. Wapi Oeza Bouke. Et puis t'as là Siko Bemba. Bemba Pé. Hein? Bonjour, sentir le rôle aussi n'existe même pas. À s'effacer, naïe, à l'autre, naïe, pour. Il a un peu des approches. Approche, il y a Bemba, na Félix, et le qui a. Il y a Katumbi, pour Katumbi, na Félix, baza tantôt. Mais ce qu'on t'a dit, approche, il y a Bemba, na Félix, et ça plus solide. Plus solide que y a Katumbi. Donc, vous voyez un peu de choses pareilles, on se rend compte que non, on ne sait pas. Biscani tout ça qu'on s'est dirigé et division Oyo et que même Batouana Wapi Katumbi a juste elle Bemba tu éviter qu'est-ce qu'il va faire bon au moins la souka boue Bemba diminue que Félix a sera candidat en 2023 on ne sait jamais ce qui va promettre ma poste on ne sait jamais alors qu'est-ce que Fayulu va faire encore une réconciliation avec Bemba on ne voit même pas arriver là maintenant comment vous allez combattre Kabila. Pour Kabila va récupérer tous ses politiciens. Après récupérer bateau tout bas côté pas Félix Kabila va récupérer bango. Calmement que personne ne vous trompe. Kabila va récupérer bateau tout bas côté pas Félix au raisonnement va créer union sacrée. Union sacrée ils ont la logique mon côté administrative ils ont pour prouver que l'union sacrée existe. L'union sacrée de Félix Tshisekedi existe que des noms. Combo ya pamba bazo ganga union sacrée. Mais en réalité, l'union sacrée n'est pas là, n'existe même pas. On ne connaît pas s'il y en a ce qu'on appelle l'union sacrée dans le papier. Boye bina naza autorité morale à l'union sacrée. Boye bina nazali secrétaire général à l'union sacrée. Boye bina nazali administrateur à l'union sacrée. L'union sacrée, c'est le nom. Mais juridiquement, administrativement, l'union sacrée n'est pas là, n'existe même pas. Alors, batouana tout, soyez balobi qui basongi na bango union sacrée parce que là-bas, il y a des textes où ils allient au signa, où ils allent au Kibaza Bata Kabila. Vous voyez le malheur que Félix Tshisekedi joue aux Congolais. Et là, les talibans ne voient pas ça. Parce que mon abilo, quand on a noté, que Félix a la majorité. Détrompez-vous. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de tout. Et avec ce chaos qui s'est dissimulé déjà à travers son bilan, je ne pense pas qu'il y a grande chose à espérer avec Félix Tshisekedi 2023. Il nous a facilité et il va faciliter le retour de Kabila. Or, maintenant je dis un message là au peuple congolais. Nous devons s'élever. Nous devons barrer la route. Est-ce que tout le monde dit ma biche sous ma congolais que Kabila commence à son gassou président. Tout le monde dit ma biche que Kabila a son gassou qu'on dirige Mbokawana. Le mouvement citoyen, tous les Arabes. Il faut pousser. Les gens de la rue. Parce que, tout matato qui t'a souhaité le bic et l'unité Kabila Zonga, il faut barrer la route à Félix Tshisekedi de maintenant. Simple que ça. Il faut que la population s'élève de maintenant pour provoquer des choses pour que dialogue et salama. Dialogue mongo et salama. Si koyo. Et si ce dialogue s'organisait, c'est là où peut-être tu connais que soit Katumbi, Bemba, Fayulu. Basangani naïe Félix, comme ça, basali ba réforme et tout cause vraie élection. Pour nous, au moment de la turbulence, c'est sur les canassini. Ce qui m'a empêché, et l'eau qu'il y a Félix na Kabila te, et Bolandi Makambo, et Basango, et Senko, l'obiné, il faut faire très attention. Ce qui te continue à l'oingé, et Basango, et Senko, croyez-moi très bien ce que je vous dis, pour les la bichonne, surtout en 2023. Parce que les évêques diront. Bon, tu es là qui n'enseigne, comme ils ont fait avec Fayulu. Bah, salis-moi deux, trois mois. Moi, ma le vérité des hymnes, le Félix Azar président. On va encore souffrir, qu'on est qu'à 2023. Oh, si on arrive à imposer
à Félix et à Kabila à un dialogue, on va réussir à changer le Congo en 2023. En dehors de ça, je ne vois pas les mécanismes qu'on fait barrer la route à Kabila. Je ne vois pas le mécanisme. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ça. Tozo Poussana, Félix organiser les élections, il va chercher à rester. Et de peur aussi qu'il facilite le retour de Kabila. De peur que Kabila pas gagné, Félix a sali passation de pouvoir dans Kabila. Mais il y a un mandat 5 ans. Botika li sous na kolela. Mawatro, bandegonanga, mawatro, peuple congolais. C'est par ici, Tokabwani na track info oyo. Donc, bo banga na binote, Congo États-Unis TV ezali. Il y aura ba bidom sou to noti la binope kuna. En attendant, toujours régularisé. Appel au Salaki ou bien tout Sengi na YouTube à revoir ma condition à Tchelibiso. En attendant, toujours Zéla Yango, va répondre à Bissot. Toujours les cas, on a Bissot Nyonso Congo, Bissot Nyonso Congo RDC. Bissot Nyonso Congo RDC, bah, au bazar abonné, t'es beau s'abonner. C'est toujours qu'à réactiver. Sokozaki na compte Kounate, Kota Kouna, ma soeur Lucille Mort, Congo États-Unis, ils ont un moins problème, tout ça, ils appellent na YouTube. Et te recommander Bino Suko Bisonyo so Congo RDC FX de Konanga FX ba live ko le kamingi na Congo RDC Bisonyo so Congo RDC vraiment bolanda biso maintenant kuna ils sont très important. Merci beaucoup to kouté na Bino na édition mususu ya Track Info peuple congolais. Ciao.